Mais d'ailleurs, on va retrouver Anne-Sophie sur le terrain. Anne-Sophie, ce sont des manifestants écologiques là, qui ont décidé d'interrompre la circulation dans les deux directions. Oui, pour commencer, je vais vous dire tout de suite que les cyclistes qui traversent ici, qui veulent aller prendre le pont, sont assez frustrés. On a un petit extrait à vous passer justement de cyclistes avec qui on a parlé. Qu'est-ce que vous dites aux automobilistes qui vont vous entendre ce matin en arrivant au travail ou à la maison, là, qui sont frustrés? Je comprends. Je vous invite à diriger votre colère envers les gouvernements qui ne mettent rien en place. Ça va durer combien de temps ce matin, le pont fermé, selon vous? On peut pas dire. Donc, c'est la police qui a décidé de bloquer le pont. Les activistes vont passer leur message, vont mettre leur bannière, mais pour la suite, je peux pas dire. Est-ce qu'ils veulent descendre ou ils comptent pas descendre? Ça va être à leur choix. Donc, je sais juste qu'ils veulent passer leur message aujourd'hui. L'activiste que vous venez d'entendre, on lui a demandé là, qu'est-ce que vous dites aux automobilistes frustrés. Mais là, je vais vous faire entendre les cyclistes que je viens de rencontrer. Écoutez. On va aller juste l'autre côté du pont. Il n'y a aucun autre moyen de vous rendre, évidemment, parce que c'est... Je suis en trottinette. Ça vous fâche? Bien, je fasse. Je vais perdre l'argent, c'est tout. C'est compliqué? Oui, je vais voir. OK, merci. OK, alors Jean-François Véronique, mise en situation à 5 heures ce matin. Il y a deux personnes, deux hommes qui se rendent sur le pont Jean-Cartier pour grimper la structure la plus haute du pont. Deux hommes qui avaient été arrêtés en 2022 parce qu'ils avaient fait la même chose avec le terminal pétrolier Valero. Ils avaient tenté de grimper la structure. Ça avait bloqué le terminal pendant plusieurs heures. Leur procès était prévu à la fin novembre. Alors, en grimpant dans la structure, finalement, la Sûreté du Québec, comme on l'avait vu en 2019, a fermé le pont pour la sécurité des automobilistes, des passants. Et là, depuis, il n'y a plus du tout de mouvement sur le pont Jean-Cartier, mais il y a énormément de présence policière, de pompiers également. Là, vous voyez, au début, on voyait des automobilistes qui pouvaient toujours circuler parce que, comme Jean-Michel le disait, il y avait des gens qui pouvaient sortir du pont, mais après, tout a été bloqué. On voyait une image un petit peu plus tôt, justement, des deux grimpeurs qui tentaient de dérouler leur banderole où il est écrit « Le pétrole nous tue ». Avec le vent, on a de la misère à voir leur message, mais ce qu'ils veulent souligner ce matin, ces activistes de Last Generation Canada et du collectif Antigone, c'est que l'urgence climatique s'est aggravée au cours des cinq dernières années, depuis leur dernier mouvement avec Extinction Rébellion, qui avait aussi bloqué le pont en 2019. Ils veulent que le gouvernement crée une agence nationale pour gérer l'urgence climatique. Et là, ce matin, bien, leur mouvement, ça a des impacts sur le quotidien de plusieurs Montréalais. Merci, Anne-Sophie. On reviendra à toi, bien sûr. Merci. À tantôt. À plus tard.